Bonjour, chers élèves. C'est un petit rappel de ce qu'on a déjà appris pendant cette année. Commençons par grammaire. Ce que je dois savoir, et la phrase. Une phrase est un groupe de mots organisés afin que la phrase ait un sens. Une phrase est un groupe de mots organisés afin que la phrase ait un sens. À l'écrit, la phrase commence toujours par une majuscule. Rappelez-vous de cela. Et se termine par un point. Je vous donne un exemple. On a écrit le règlement. On peut parfois supprimer ou déplacer certains mots dans une phrase. Par exemple, au lieu de dire aujourd'hui avec la maîtresse, on a écrit le règlement, on écrit tout simplement, on a écrit le règlement. On peut déplacer aussi les mots. On a écrit aujourd'hui le règlement avec la maîtresse. Alors, souvenez-vous de cette leçon, la ponctuation. La ponctuation aide à lire et à comprendre un texte. Oui. Alors, les points. Un point. Point d'interrogation, point d'exclamation, marque la fin de la phrase et indique sur quel ton la lire. Par exemple, je vais à l'école. Est-ce que tu m'accompagnes? Les virgules séparent les groupes de mots dans la phrase et indiquent une pause dans la lecture. Je prends mon cartable, mon manteau. Et mon goûter. Les deux points indiquent qu'une personne parle. Les paroles sont précédées d'un tiret ou placées entre les virgules. Soudain, le maître me dit: Est-ce que tu as compris? Oui, monsieur. Alors, souvenez-vous aussi de cette leçon de grammaire, c'était au premier semestre, les différents types de phrases. Il existe quatre types de phrases. La phrase déclarative, qui donne une information. Elle se termine par un point. Comme exemple de « je suis malade »,« tu ne vas pas à l'école ». La phrase interrogative, qui sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation, comme l'exemple de « Est-ce que tu as bien dormi ?» La phrase exclamative, qui sert à exprimer un sentiment, par exemple joie, colère, surprise. Elle se termine par un point d'exclamation, comme « Tu as grandi », comme exemple. La phrase impérative, qui sert à donner un ordre, conseil. Elle se termine par un point ou un point d'exclamation, comme exemple de lave tes mains, taisez-vous. Lave tes mains, taisez-vous. Toutes les phrases commencent par une majuscule. Toutes les phrases commencent par une majuscule, bien sûr. Alors, rappelez-vous de les phrases interrogatives, surtout. C'est parmi les différents types de phrases. On a déjà étudié au premier semestre les phrases interrogatives. Je parle ici des élèves de CE2, CRE. Lorsque l'on veut, par exemple, poser une question, d'accord? Lorsqu'on veut poser une question, on utilise des phrases interrogatives, bien sûr. On peut écrire une phrase interrogative de trois façons différentes. Manges-tu une tomate? C'est quoi ça? C'est la version du sujet. Tu manges une tomate. C'est l'intonation. Est-ce que tu manges une tomate? Lorsque l'on écrit une phrase interrogative, on n'oubliera pas de la terminer par un point d'interrogation. Il y a une phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. Les phrases interrogatives peuvent commencer par des petits mots qu'on appelle des mots interrogatifs.
comme l'exemple de quand, pourquoi, qui, que, où, etc. Que cultives-tu dans ton jardin? Où fais-tu du sport? Quand iras-tu à la plage?